Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outils.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outils, AG, logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Eddy Vacher de Celada. Eddy, Celada a fait le choix d'exposer sur le CIMODEC une machine au concept particulier. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour, donc la société Celada France distribue maintenant depuis quelques années en partenariat avec un constructeur, donc Jingyao, spécialisé depuis 30 ans dans la fabrication des centres d'usinage 5 axes et 3 axes de haute précision. Donc le modèle qui est exposé ici de Jingyao est un modèle très intéressant de par son emprise au sol puisqu'il est effectivement de faible encombrement. L'avantage de la machine, c'est effectivement d'aller chercher des hautes précisions de fabrication, un rendu de pièces parfait au niveau des états de surface. Le concept est très intéressant au niveau de Jingyao puisque vous avez une machine qui est effectivement complète d'équipement avec des possibilités techniques au niveau des broches, magasins, circuits fermés en termes de contrôle des différents axes, une CN qui est extrêmement puissante également, couplée à un soft très très développé et qui est fourni dans le concept de la machine. Cette machine, effectivement, nous permet d'aller usiner des pièces d'horlogerie, de médical, des choses assez, on va dire, de petite dimension. Vous avez également la possibilité d'avoir une réparabilité très très importante, puisque chaque axe, bien entendu, est asservi de règles Heidenheim, voire Fagor. Nous avons une démonstration ici, de la gravure d'un œuf. Alors, cette gravure, effectivement, nous permet, si vous voulez, de faire de l'autocalibration avec le positionnement d'un œuf dans une pince et le renouvellement, si vous voulez, de la mise en position de l'œuf suivant dans cette pince, on arrive à obtenir la même qualité de gravure. Le petit plus, le gros plus, je dirais, de cette marque, en tout cas, c'est que la machine, si vous voulez, a une possibilité de s'autocalibrer. C'est-à-dire qu'elle va contrôler la précision de fabrication des pièces, corriger effectivement les défauts de précision de la pièce produite, mais également vous avez des systèmes intégrés, donc des capteurs et des palpeurs, qui vont vous permettre, eh bien, je dirais, d'aller autocalibrer les systèmes de mesure également. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où vous produisez une pièce, vous n'avez plus besoin d'ouvrir, d'arrêter le process, d'aller contrôler sur de la tridim, on va dire, et de relancer le cycle. Tout est fait en automatique grâce justement au concept soft, CN puissant et bien entendu l'ensemble des éléments mécaniques et cinématiques de la machine. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.